Yo la team, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé sur Xbox 360. Donc c'est parti les amis, on va continuer notre aventure, let's go. A ton avis, qu'est-ce qui peut bien plaire à Dean chez Ginny? Je ne sais pas, elle a une belle peau. Une belle peau? Hermione aussi a une belle peau. Salut Harry. Il faut que je... Oui, moi aussi. Tu peux me rapporter des bonbons de chez Honey Dukes? Je ne peux pas y aller. J'ai deux devoirs à rédiger et une potion de ratatinage à faire. Je vais te faire ta potion de ratatinage. Comme ça, tu pourras venir après Ola. Et depuis quand t'es fort en potion? T'en fais pas pour ça. Slughorn a autorisé quelques élèves à créer un club de potions dans les serres de botanique. Et c'est là que j'irai pour la faire. Ok, merci. On se retrouve ici plus tard alors. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Méfait accompli. Méfait accompli. Allez, rends-toi à la serre de botanique et prépare une potion de ratatinage pour Ginny. Ok. Allez, c'est parti les amis, on y va. On trace. Eh, la porte. Bonjour, c'est bien ici le club des potions. Salut, tu es venu pour t'inscrire? J'ai entendu dire que tu étais très bon en potions cette année. Merci, mais je veux juste faire une potion de ratatinage. Je dois trouver quelqu'un après. Désolée, si tu veux utiliser notre matériel, tu dois d'abord t'inscrire au club de potions. Il te suffit de choisir le test d'entrée sur le tableau d'affichage là-bas. Oui, merci. Ok, bon, on y va. Alors, ok, d'accord. Pour devenir membre du club de potions, tu dois battre le meilleur score pour la préparation de la potion Volubilis. Okay. La potion Volubilis est l'une de mes préférées. Certains ne l'utilisent que pour faire des farces à d'autres en changeant leur voix, mais à mon avis, c'est du gâchis. Alors, on va chauffer le chaudron. Ok. Un peu, on chauffe. Ça me vaudra un optimal. Oh mince. Des brins de menthe. On va chauffer le chaudron. De la mandragore. Du silencieux, une plante vivante. Du sirop des lèvres. Ça c'est bon ça les amis. On a réussi à faire la potion Volubilis. Wow, tu es vraiment doué. C'est la première fois que quelqu'un prépare une potion Volubilis aussi vite. Bienvenue au club de potions. Merci. Je peux faire ma potion de ratatinage tout de suite. Je suis un peu pressé. Alors... Les chrysocutes. Ok. Ok, du coup, on la met. Alors, ça, c'est bon. On va pouvoir faire la potion ratatinage. Ok, ça, c'est quoi?
Crabbe devrait en prendre. Alors du coup c'est parti les amis. Mettre des vers de terre. Là, je secoue un petit peu, voilà, on y go. Du foie de rat. Foie de rat, ok, on va mettre du foie de rat. Merde. Il en faut 3. 2. Ça. Des sardines. Faut être vraiment rapide. Faut me geler. Faut le secouer. Une cuisse de verre à crasse. On a battu le meilleur temps, les amis. J'ai hâte de te voir à l'œuvre au test suivant. Reviens les essayer. Super, je reviendrai, c'est sûr. Mais là, je dois rejoindre Ginny Weasley au terrain de Quidditch. Pas de problème, reviens quand tu veux. Ça marche, merci. Allez, on va retrouver Ginny, les amis. Quelqu'un. Eh ben, encore lui. Va être en retard. Ok, tu veux jouer à ça. Expelliarmus, comment on fait déjà Expelliarmus? Ah voilà, comme ça. Ah, il m'énerve. Et voilà les KO. Dorénavant, maintenant tu sais ce que ça fait de prendre une raclée. C'était trop fort, Harry. D'habitude, c'est Crabbe et Goyle qui terrorisent les autres. Dis donc, tu voudrais pas nous aider? Je suis le capitaine de l'équipe de duel de Poufsouffle, et certains élèves de notre maison auraient bien besoin d'aide pour améliorer leur sortilège de défense. Eh bien, d'accord, mais vite alors. Écoutez tous, Harry a accepté de nous montrer le Protego. Notre champion de duel junior s'est courageusement porté volontaire pour la démonstration. C'est bon, vas-y Harry. Ok, Protego. Et merde. Et voilà, on lui renvoie le sortilège. Tu pourrais aussi nous apprendre à renforcer un sort? Montre-nous comment faire, Harry. Ah, ça c'est nouveau ça. On va... Stupéfix. Stupéfix. Allez, une dernière fois. Allez, les KO. Merci, Harry. Si tu veux recommencer, inscris-toi pour un duel sur le tableau d'affichage, là-bas. Alors, allez où, Ginny? La voici. Salut, Ginny. J'ai terminé ta potion de ratatinage. Merci Harry, c'est génial.
Tu ne devineras jamais tout ce que j'ai dû faire avant de venir te rejoindre. Mais bon, je suis là. Alors, on va à Priola ? Je suis désolée, Harry, mais j'ai promis à Dean d'y aller avec nous. Il n'arrêtait pas de râler depuis que je lui ai dit que je ne pouvais pas venir, et maintenant je peux. Dean ? Ah ouais, bien sûr. Tu ferais mieux d'y aller avec lui. Moi, j'irai avec Hermione. À plus, Harry. Ouais, à plus. Qu'est-ce que c'est que cette potion que tu as donnée à Ginny ? Tu as encore utilisé ce livre de potions, hein ? Tu ne sais même pas qui est ce prince de sang mêlé. Allons après, Ola. En fait, je commence à penser que ce prince était un peu... louche. C'est Cathy Bell, non ? Ne t'occupe pas de ça ! Il doit être ensorcelé. Aïe 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 les amis, c'est pas bon ça. Malfoy connaissait ce collier. Il était en vitrine chez Barjo et Burke. Mais Cathy a récupéré le collier dans les toilettes des filles. Comment Drago aurait pu le mettre là ? Courage Ron, je suis sûre que tu seras fabuleux. Ce sera mon dernier match, je cède ma place à McLagan. Très bien. Du jus ? Tu n'as pas l'air bien, Ron. C'est pour ça que tu as versé quelque chose dans son verre ? Je ne vois pas de quoi tu parles. En avant, Harry. Nous avons un match à gagner. Tu pourrais être renvoyé pour ça. Allez, c'est parti, les amis. Premier match de Quidditch de l'année. Je crois que c'est par là. C'est quoi, Harry ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Fringant Catogan. Oh, ce chevalier du Catogan est encore si fringant. Ok. C'est bon, on a trouvé le passage. Encore un. Tiens, tiens. Petit Potter piqué et le roi Ouistiti. On va vous écraser. Serpentard pour toujours. Laisse-moi faire. Je suis en forme aujourd'hui. Et t'es en forme, tu t'es fait déglinguer, oui. À ton tour, Potter. On va voir comment tu te débrouilleras sur le terrain de Quidditch après avoir été stupéfixé. Ok, on va voir ça. Oh merde, j'ai dégommé Ron, excusez-moi. Ron, il était à côté, il a volé. Oh, enfoiré. Et voilà, il est mort. Désolé, Harry. Ah oui, désolé, oui. Oh. Allez, on y va. Et mince. Allez, c'est parti. On y est presque. Oh.
Ils écoutent, observent, complotent. Ces joueurs de Quidditch, si bruyants, si turbulents. Ah, oh, désolé. Je vais demander à mes joueurs d'être moins bruyants quand ils passent près de vous. Vous êtes l'un d'eux. Et capitaine, en plus. Vous pouvez utiliser mon raccourci. Tous les capitaines le font. Le mot de passe est... Scarabée Bouilli. Merci. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 3 de Harry Potter et le prince de sang-mêlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, on affrontera Serpentard contre Gryffondor. Enfin, Serpentard contre Gryffondor. Juste en bas de la description, il y a tous mes liens Facebook, Twitter, Twitch. Parce que je fais des lives sur Twitch maintenant, enfin de temps en temps, pas tout le temps. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour obtenir mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Salut !